De sel dans ce coquille. Oh, alors c'est à dessein que j'y ai mis moins de sel. La consommation à l'excès de sel pour des hommes de votre âge n'est pas recommandée. Tu connais mon âge? Dis que tu as échoué. Ceci est une poudre qui a un effet soporifique. Tu dois introduire cette poudre dans le vin. Lorsque le chef va boire, il va tomber dans un profond sommeil. Et là, moi, je viendrai le porter, l'amener dans sa chambre et passer la nuit avec lui. Edimo est mort. Quel Edimo? La ligne Edimo. Non, ma fille est devenue veuve. Il y a quelqu'un? Je pense à ma fille qui est chez Gaza. J'ignore comment procéder pour la prendre avec moi, afin qu'elle puisse bénéficier de son droit de paternité. Vous avez la monocoque, la syphilis, les chlamydia et en plus de l'hépatite B. Merci pour le vin. Mais les circonstances ne permettent pas qu'on le boive. Mais Majesté, goûtons au moins, non? Mettez ça derrière. À vos ordres, Sa Majesté. Que va devenir Yomo Samedibo? Je m'en vais de venir quand ça m'a dit mon temps, j'ai tout. Aïe, douleur. Elle a au moins eu la chance de commencer le travail avant qu'Edimo ne meure. Mitumba, avec au moins ça, tu peux te consoler. Je vais me consoler comment, Tantou? Je vais me consoler comment? Aïe! Quand je pense que Edimo devait faire le sac de ma femme à son retour. Il devait mettre le poisson, le vin, le bon vin. Aïe! Je comprends. Edimo ne pouvait pas attendre le retour de ma femme avant de mourir. Je comprends très bien, Mitumba. Donc, ce sont les intérêts que tu perds à travers la mort d'Edimo que tu pleures. C'est ça? Tu voulais que je pleure quoi? Tu voulais que je pleure quoi, Tadjadou? Tu voulais que je pleure quoi, Tadjadou? Hey. L'amour est méchant. Elle ne pouvait pas attendre même une semaine après le retour de ma femme pour tuer Edimo. Hey. Hey.
Tanjato. Je risque de perdre deux fois. Oh, j'espère que ma femme n'avait pas encore remis le plantain et tous les sacs qu'elle est partie avec. Aka? Oui. Comme Eddy Moemo, le régime de plantain avec le maïs que tu es parti avec là, vends. Vends tout ça, tu reviens avec l'argent. Tout. Vends même le sac. J'ai besoin d'argent. Voilà. Yann, Kitouma. Ya. Ces choses-là dépassent ce qu'il a fait à ta fille. N'est-ce pas le liamon? C'est à lui que j'ai envoyé les plantains et tous ces paquets, et non à sa famille. Comme il est mort, il faut que ma femme rentre avec. Oh, je vends au moins si je peux essuyer mes larmes avec. Ya, Mitouma, tu devais plutôt avoir honte. Hein? Quelqu'un est mort, ça ne t'intéresse pas. Hein? Tout pour toi, c'est seulement ce qui va entrer dans ta poche. Tu devais avoir honte, Mitouma. Un notable de son père. Oh, ben. Tu as aussi déjà appris le décès. Le décès de qui? D'Edimo. Edimo est mort. Timo est mort. Tu pleures donc pourquoi, maman? Non, c'est bon, ça va, ça va. Ça va comment? Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est bon, c'est bon.
Nos oreilles vont enfin respirer dans ce village. Je veux voir enfin comment Kamdem va continuer encore à se vanter dans ce village. Il racontait partout comment Edimo seul allait rendre ses obsèques grandioses quand il va mourir. C'est quelqu'un d'autre qui l'ira chercher maintenant pour l'enterrer. Elle a passé son temps à manger l'argent de Dimo pour rien, rien du tout. Ouais. Enfants viendront chasser Bengono de la maison. C'est mon souhait. Il faut qu'on la chasse. Elle viendra nous retrouver ici, dans ce village. Notable Simon, oui. On ne prend jamais le mari d'autrui. Jamais. Cette place était longtemps réservée à ma fille Irène. Mais les gens de la terre sont venus bouleverser tout. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Après tout, c'est une bonne nouvelle pour nous, non? Ça va. Akbo. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Enfin, ma femme revient. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que Dieu a exaucé mes voeux. Donc, il y a une histoire d'amour entre vous. Tromper le patron. De quoi je me mêle? Fiche au camp! Allez, vas-y! Tu as quoi, non, bébiche? Mais pourquoi tu pleures? Affiche-moi le camp! C'est quoi de me mettre la pression? N'oublie pas que tu t'adresses comme ça au grand notable de ce village. Et ça me fait quoi?
Hey, tu es même l'enfant de qui dans ce village? On va te sanctionner pour manque de respect aux dignités de Sokoundé. Ça, c'est sûr. Sanctionner mon œil. Quel problème? Ndale, Dimo. Ndale, Dimo. J'ai dit, hein? Qui es-tu, monsieur? Tu es notable pour pleurer sur la rue de la chefferie? Edimo, Edimo. Hé, hey, monte rapidement! Va pleurer, Edimo, ailleurs! Bébiche? Oui. Tanjado. Je t'ai cherché pendant longtemps, mon amour. Tu t'es passé où? S'il te plaît, partons d'ici avant que cette sorcière ne revienne. De quelle sorcière tu parles? Je parle de Suzy qui nous a séparés pendant tout ce temps. Allons retrouver notre fille. Elle a besoin de te voir. Ma fille? Oui, ma fille, elle est où? Elle est chez Phoenix. Irène, 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 tu es la fleur de ma vie. Charlie, 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 tu es la crème de ma vie. Elle est où cette femme? C'est la méchante dont je te parle. Partons rapidement d'ici avant qu'elle ne revienne. Non, s'il te plaît. Je suis ici chez moi. Allons plutôt chercher notre fille chez Félix. Allons-y. Allons, allons. Ok, ok. Mon Dieu, tu as vu ça, mon frère? Tu parles. Si le patron pouvait se relever et voir tout ça de ses propres yeux. Mais son employé se tape son épouse avant qu'on ne le mette même sous terre. Je suis convaincu que les deux-là sont connus longtemps avant que le patron épouse cette femme. Tu n'as pas constaté que la mère de Bengono l'avait reconnue? Le patron aussi. Il allait où avec une femme qui a l'âge de sa propre fille? Dis donc, reste tranquille. Toi-même, tu n'étais pas amoureuse de ça à bord? Qu'ils ont appelé avant Achou? Ils nous ont trompés pendant longtemps. Qu'est-ce qui vous intéresse en lui? Lui-là, il me dépasse en quoi? S'il te plaît, arrête tes intrigues. Le moment est mal choisi. Hé, le patron. Hé, monsieur, pourquoi tu nous as fait ça? Qui va encore me dire garder la monnaie? Qui va encore me payer avant la fin du mois? Qui va encore me dire pas la veste si tu mesures? Aïe! Je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Aïe! Hey!
quoi ici? Quelle question? Je suis venue voir ma fille. Tu l'as déjà vue, non? Tu peux rentrer maintenant. Mamiton, c'est quelle façon de me parler comme ça maintenant? Je ne suis pas en train de faire un débat avec toi. Hein. Je te demande de partir maintenant et vite. Sinon, je vous mets à la porte, ta fille et toi, par force. Je préfère m'en aller d'ici avec ma fille. Je sais qu'elle ne sera plus en sécurité ici, maintenant qu'Edimo est mort. Allez, partez! Bande de misérables! Attention, belle-mère, ne faites pas ça. Fais-moi ta sale belle-mère! Il a me croisé les pieds! Tu as vécu, belle-mère, c'est ta belle-mère! Allez, mets-toi aussi à la porte! Viens ça chez vous, mais confortablement assis! Non! Il n'appartient pas à toi le droit de donner les ordres dans ma maison. Personne ne doit aller nulle part. Comme toi-même, accepte l'enfant d'autrui, oui, comme ton enfant.